Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus. Et on a un lambe qui starve. Alors, je reprends la forteresse, ça fait un moment, hein. Vous avez vu vous les épisodes, hein, mais je les ai tous tournés d'un coup. Et moi j'avais laissé la forteresse un peu tranquille, un peu beaucoup même. Ouais, donc là on avait l'entrée et je voulais essayer de démonter tout ça. Là on fait le mur, on pourra faire le... Okay. Au moins c'est clair, il y a ça à creuser. Est-ce qu'on a des raccourcis clavier? F1, on arrive ici. Ok, F2, on arrive ici. On a une forge qui est productive. Ça, c'est cool. Important de savoir le faire le point hein, sur ces forteresses, bien sûr. On a deux furnaces opérateurs. Ok. On a une personne qui est flex. Je veux pas qu'il craft. Des goods. Les Gitgut. Butchery, tannery, ok. Metal crafting. Je pense que c'est pas forcément en avoir deux. Bon, un qui fait que ça et l'autre qui peut donner un coup de main. Je pense que c'est une bonne idée. Glazing, poterie. On couvre tous les métiers, On n'a pas de bonne carving, mais est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Brewing, cooking, on a ce qu'il faut. On va le mettre en furnace opérateur. On va pouvoir commencer à lancer 2-3 prods. Smell hématite, bitunus, tétrahydrite pour avoir le copper et avoir les premières productions, ça me paraît bien. Est-ce qu'on a des ordres en cours? Craft, ok, on va avoir un peu d'échange. Table, trône, ah oui putain, 20 tables. Donc là ça c'est la dining room. Des portes, parce que les portes c'est toujours bien. Quelques mécanismes. Et forge, copper, battle, axe. Je n'avais pas de quoi couper des arbres. Il est vrai. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est capable de couper des arbres? Maintenant oui. Moi, le truc qui m'intéresserait, c'est les battle axes. Personne ne le fait. Human Axeman. On a accepté un type, ça veut dire. Ok, soit. Parfait. Ça commence à ressembler à quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire dans ces espaces? Ah oui, c'est vrai, les stockpiles. Plus profond. On n'a pas lancé de chambre. On a fait tout ça. Ah putain, oui, mais les maçons. Il nous faut des maçons en fait. Des maçons, et je pèse mes mots. C'est un qui fout rien. Papermaking, bookmaking, ça je veux. Et animal training, fish dissection, pump operator. Bah, toi tu vas devenir un maçon, mon salaud. Et si on en prend un troisième, animal care, suturing, cheese making, gem. Non, lui il est occupé. Siege engineering, trapping, masonry. Donc là on a trois maçons, on a que deux ateliers, donc il y en a deux qui vont bosser, il y en a un autre qui va commencer à créer les deux ponts-levis, et on va pouvoir le faire rentrer de l'eau. Ici il y aura toujours de l'eau de disponible, ça veut dire ça. Stockpile wood. Et on va se mettre une petite stockpile ici. Non, c'est vrai. Ce que je voulais faire, c'est un tuto. Donc, comment on fait déjà pour pile? X, remove designation. Je vais faire un petit tuto. Et en gros, ce qu'on fasse, c'est ça. Pile wood. Ici. Une carte. On va faire un stockpile après de stone. Alors,
On va peut-être pas le faire à cet épisode. Je vais juste mettre le stockpile, un stockpile de stone équivalent de l'autre côté. Et en fait, on va faire des quantum stockpile qui vont alimenter les différents, les deux différents, comment ça s'appelle, les, même je peux en faire des plus petits que ça. Les deux différents ateliers. Alors, métal, or, on forbid, économique, on forbid, other stone, on garde la clé, donc juste other stone, donc en gros juste des matériaux de construction, c'est ça qu'il nous faut ici. Donc voilà, les maçons, ça, vider douves, il est construit, remplir douves, il est construit, et ça va être très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on pré-vider tout ça. Dick drink. D'ailleurs, tu dis quoi, toi? Follow. Attends. Z, follow. Il descend ou il monte? Il monte. Il monte, il monte. Ah putain, c'est vrai qu'il y a toute cette pièce à faire. Avoir un stone detailing, ça serait une bonne idée. C'est un autre qui fout rien. Cooking. On a déjà quelqu'un qui gère les apports en bouffe de la forteresse. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui, on va lui demander gentiment de stone detailer. Il va nous faire la sortie. Il faut qu'on fasse notre pièce à... Comment ça s'appelle ? Notre pièce à... À levier. On peut en mettre un paquet là-dedans. Un truc un peu mignon quand même. Quand même. Ah oui, hein, quand même. Ok, on est bon. On va aller laisser bosser un petit peu là-dessus. Ça prend forme. Garbage, D, B, dump item. On va leur demander de vider les douves. J'aime pas qu'il y ait la caillasse qui se... Là, on est bon. Normalement, ils sont censés vider tout ça. Et on devrait être pas trop mal. On devrait être pas trop mal. Se faire quelques comment ça s'appelle, quelques pouces
quelques wheelbarrow. On va bientôt avoir les Forge Axe, Battle Forge Axe normalement, si je dis pas de bêtises. On va bientôt avoir. Rock. Craft, tétrahydrite. Notre forgeron là. Ah, mais oui, mais il n'y a que lui. Ok, on va faire ça. On va faire du metal crafting sur eux deux. Voilà, c'est très bien. Comme ça, lui, si dès qu'on donne des ordres liés à du métal, il va les faire, mais il n'ira pas forcément faire fondre les minerais. On est sûr d'avoir nos productions, ça va être bien. Et il va falloir qu'on vire les lits de là et qu'on commence à faire les chambres. Enfin, que je réfléchisse à un truc qui soit pas mal pour les chambres. Ça serait good. Guten Tag. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc ça c'est la dining room, ça va être la taverne. Je suppose qu'elle est déjà faite en plus, ouais, elle est déjà faite, c'est parfait. Pourquoi j'ai fait cet espace? J'en suis un peu fort que je regarde la vidéo. Par contre on peut peut-être se permettre de faire quelques chambres ici. Ça pourrait être rigolo. Bon, limite même qu'on fasse des excroissances pour y caler les chambres et après quand on videra tout on pourra mettre des vitraux un peu partout, ça peut être rigolo. Ça peut être plaisant. Et là c'est pour faire les pâturages intérieurs. Très bien. On va laisser faire nos ordres. On n'a pas de boisson. C'est malin ça. C'est malinx le lynx. J'ai même pas pensé à faire une distillerie. Chier. Ok, on va la faire là, c'est pas grave, c'est pas grave. WL. Un peu important. Ils vont ralentir de plus en plus sinon. Et même il y en a qui peuvent mourir de soif. Ok, parfait. Il nous manquait deux animaux à mettre ici. Non, la distillerie, s'il vous plaît. La distillerie. Architecte, diagnostic. Carpenter, putain ouais. Ça c'est pas cool Raoul. Stone detailing. Attends, faut pas déconner, voilà. Ça il faut qu'on le fasse assez vite. Hein. Normalement ça doit être... C'est même pas stone detailé. Oh, feignant. C'est le problème. Hein. Sur les débuts de forteresse comme ça, il y a toujours les ordres qui mettent un peu de temps à se mettre en place. C'est narmol. Ni dans un petit bucket. De toute façon, un petit bucket, même on n'a pas accès à l'eau hein, sur la map. Donc là on peut avoir des morts. Hein. Et d'ailleurs, en fait, ce qu'on va faire, c'est... Ça a été envoyé. Toi, tu vas rien faire d'autre que me construire ce bâtiment, par contre. Ah, le problème, en plus, le fait de déplacer les cailloux, ça prend tellement de temps... S'enlève le charpentier juste deux secondes, comme ça dès qu'il a fini ça, il va peut-être s'attaquer à ça. S'il vous plaît. Je ne veux pas de gens qui vont mourir. Oui, oui, oui. Allez, il nettoie la pièce. Il fait la pièce. Et ça, c'est urgent. Dès qu'on va faire les premiers trucs d'alcool, direct, ça va tout débloquer.
Faudra qu'on fasse de la bouffe aussi. Hein. Il nous en reste encore pas mal. Hein. La bouffe, on était vraiment large. Je sais pas comment ça se fait que l'alcool a été consommé aussi vite. Hein. Ils sont pas si nombreux que ça. Hein. On en prévoit toujours beaucoup. Allez, un petit tonneau. Yes. Il vient de nous faire 5 doses d'alcool, normalement, là. On va le voir assez vite. Hein. Dès qu'il aura fini de faire l'alcool, en fait, tous les nains vont se précipiter vers lui. De l'alcool! Non? Allez. Si, pourtant, on a du vin. On a 15 drinks. Pourquoi vous n'avez pas le boire, les gars? Ah, yes. Ah, ils vont chercher des mugs. Ah, les bâtards. Ok, c'est pour ça qu'il n'y a pas de detailing, parce qu'on a demandé un detailing sur toute cette zone-là. Ah, putain. Bon, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, mais c'est pas grave. Les douves sont pas... C'est plus urgent, urgent non plus, quoi. Ok, ils sont tous déshydratés. En fait, ils sont obligés d'aller chercher les... Ça, on va le remove. Ok, ça commence. C'est censé se réguler, on a quelques-uns qui vont s'en sortir, la forteresse continuera même si on a beaucoup de morts. La boulette de début de partie, quoi. Le truc qui me fait peur, c'est les maçons. J'espère qu'ils vont quand même prendre un moment pour aller teaser. Ça va être important. Même très important. Ok, ils vont chercher de l'eau. Ça, c'est parfait. Au moins, ils vont... Ok, donc on commence à se rapprocher. Faut juste faire gaffe à ceux qui restent sur la glace, ceux qui tombent pas trop dans l'eau. Allez, bon. On aura passé ça. C'était critique, mais c'était bon. Au moins, ils sont tous en train de boire de l'eau. Ça va aller mieux. Ils vont pouvoir boire de l'alcool assez vite. On va arrêter l'épisode là. Ça m'a permis de reprendre la forteresse et je vous dirai à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Allez, à bientôt tout le monde et bye bye.